contente que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favorites, une vidéo où je vous présente 5 favoris orientés lifestyle. J'ai pris des petites notes parce que j'ai peur de tout oublier. On va commencer par le grand favori de ces dernières semaines que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un service. Je me suis tout simplement abonnée à la bibliothèque de ma ville. Je n'ai pas été abonnée à ma bibliothèque depuis le lycée, probablement. Après, je suis partie à Lyon faire mes études, je suis revenue à Annecy et je n'ai jamais franchi le pas de me réinscrire. Ça coûte pas très cher, ça coûte 25 euros par an. Alors 25 euros, c'est une somme, mais quand je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec, bah, c'est vraiment pas grand-chose et c'est extrêmement vite rentabilisé. En fait, ma fille est inscrite depuis qu'elle a un an ou deux. Je vais parler du fonctionnement de la bibliothèque, enfin, je parle de bibliothèque, mais de médiathèque d'Annecy. Je ne sais absolument pas comment ça se passe dans les autres villes. Mais à Annecy, les enfants résidant sur la commune d'Annecy ont un abonnement gratuit qui leur permet d'emprunter jusqu'à, c'est énorme, 20-25 supports différents de façon simultanée. Alors il y a des livres, il y a des CD, il y a des œuvres d'art, il y a des DVD et donc uniquement ceux qui sont inclus bien sûr dans la catégorie enfance, adolescence. Donc la presse pour les enfants, les livres, les contes, etc., les recueils, les livres de lecture. Et puis ça fait plusieurs fois que j'y allais avec ma fille et que je me disais bah, peut-être que pour adultes c'est tout aussi bien, donc je suis allée me renseigner et on m'a appris que ça coûtait 25 euros par an. Pour 25 euros par an, je peux moi à nouveau emprunter entre 20 et 30 ouvrages, enfin supports de façon simultanée. Je peux les garder un mois, renouvelable encore un mois, je peux réserver les œuvres en ligne. Alors ça c'est quelque chose dont je n'avais pas connaissance, je ne sais pas du tout si ça se passe partout comme ça. Mais en fait en me rendant à la bibliothèque, en regardant au rayon adulte, je me disais il n'y a pas toujours les livres que je souhaite, les romans qui viennent de sortir sont très vite empruntés. Et en fait on peut tout faire en ligne, donc c'est-à-dire que je me connecte sur le site des médiathèques d'Annecy, je peux réserver le livre et le faire venir dans la bibliothèque de mon choix, c'est-à-dire vraiment je peux prendre la bibliothèque la plus proche de chez moi, et ensuite j'ai une semaine pour venir récupérer l'article que j'ai fait réserver, et puis après voilà, à nouveau je peux le garder un mois renouvelable encore une ou deux semaines. Il y a plein de livres en fait que j'achète, que je lis une fois et que je ne relis pas. Non pas parce qu'ils me plaisent pas, mais parce que bon voilà, une fois que je les ai lus, je considère que ça va. Alors après, je les passe à des amis, à ma famille, etc. Mais c'est vrai que du coup, le budget lecture devient considérable, y compris pour des livres en format poche qui coûtent moins de 10 euros. Ben voilà, 1 plus 1 plus 1, vous voyez bien qu'avec 25 euros par an, moi ça a été rentable en 2 emprunts de livres. Les nouveautés n'arrivent pas tout de suite en stock à la bibliothèque, mais elles arrivent assez vite. Et je peux ramener voilà, le livre dans la bibliothèque de mon choix une fois que je l'ai lu, y compris dans des boîtes aux lettres qui sont situées à l'extérieur si j'arrive au moment où la bibliothèque est fermée. Donc en termes de praticité, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. Moi ça me permet de lire davantage, de lire des ouvrages que je n'aurais pas forcément achetés parce que j'avais pas forcément envie de mettre 10-20 euros dans tel ou tel livre. Donc ça me permet de, voilà, d'emprunter des choses que je suis pas certaine d'adorer, mais d'avoir des bonnes surprises. Et alors surtout, j'ai un gros problème, c'est que moi j'ai une pile de livres à lire qui ne cesse de grandir. Dès que j'ai un livre qui me plaît, je l'achète. Et j'ai des livres là que j'ai achetés il y a plus de 2 ans et je n'ai toujours pas lu. Le fait de les emprunter à la bibliothèque m'oblige à les rendre bien sûr au bout d'un certain moment et je ne vais pas rendre un livre que j'ai lu à moitié. Donc ça me contraint, mais de façon très positive, à démarrer une lecture et à la finir tout simplement. Parce qu'après si je le rends et que je le re-réserve une deuxième fois, je ne vais pas m'en sortir. Donc ça m'oblige à démarrer un livre et à le finir. Écoutez, pour 25 euros par an, je reviens pas. Ah, il y a un autre truc aussi, à nouveau, je sais pas si ça se fait dans toutes les bibliothèques. J'ai un abonnement à une application qui s'appelle Press Reader qui me permet de lire 90% de ce que la presse nationale et internationale produit. Les grands quotidiens, il y a même des magazines comme Society, ce genre de choses. Vous avez voilà, le Herald Tribune si vous avez envie de savoir ce qui se passe outre-Manche, vous avez le New York Times, voilà. Il y a vraiment tout pareil si vous faites des études. Alors si vous êtes étudiant, j'imagine que vous êtes abonné à votre bibliothèque, mais peut-être si vous avez des travaux de recherche ou que vous voulez vous intéresser à ce qui se fait en termes de presse nationale et internationale, c'est inclus dans ces 25 euros par an, donc c'est voilà, pareil si vous achetez un magazine de temps en temps, c'est très vite rentable. Alors, moi j'aurais bien aimé continuer à lire mes magazines sur format papier, enfin, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. C'est vrai que du coup il faut avoir une tablette ou un ordinateur ou quelque chose voilà, qui soit suffisamment grand pour pouvoir feuilleter ça de façon numérique, de façon assez agréable. Donc c'est pas la même expérience que sur un magazine, mais voilà, à nouveau ça c'est inclus dans les 25 euros par an, donc je pense qu'on ne peut pas se plaindre.
Voilà pour ce premier favori. Le deuxième favori, du coup, découle de cet abonnement à la bibliothèque. J'aime beaucoup les bandes dessinées. Ça fait pas très 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 longtemps que je m'y intéresse. Ça fait peut-être 2-3 ans. Alors, non pas que j'avais un a priori, mais je pensais que c'était pas fait pour moi. Je pensais que ça allait pas me plaire. Et en fait, dans le domaine de la BD, il y a beaucoup beaucoup de choses qui me plaisent. Donc, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre qui s'appelle... Je vais jamais m'en souvenir, donc heureusement que je l'ai écrit. Une BD qui s'appelle « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda. Et il y a un sous-titre que je vais essayer de vous retrouver parce que sur la couverture que je vous mettrai sur l'écran, il est écrit « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». C'est un bon pavé, alors ça se lit en... Moi je l'ai lu d'une seule traite vraiment, donc je sais pas, j'ai pas vraiment vu le temps passer, mais en une heure ou deux, Sophie Lambda donc est une illustratrice et une autrice que je ne connaissais pas, qui a écrit cette bande dessinée en expliquant de façon extrêmement claire, honnête et très éducative, j'y reviendrai un peu plus tard, comment elle a survécu à l'emprise d'un manipulateur dans une relation amoureuse. Donc elle explique tout, le coup de foudre, la rencontre, les premiers signaux, l'entourage qui s'inquiète, ce qu'elle a ressenti, la manipulation pure et dure, que ça soit par des gestes, par des mots, par des SMS, par des cris, par des crises. Moi je n'ai... je touche du bois, est-ce qu'il y a du bois ici? Oui, les pieds du lit sont en bois. Je n'ai jamais été en contact avec quelqu'un de cet acabit-là. Donc, alors ça m'en apprend beaucoup parce que ça m'aidera peut-être à repérer quelqu'un si un jour ce type de relation, même elle part d'une relation amoureuse, mais je pense que ça peut arriver dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, dans le domaine privé. Ça m'aidera voilà, peut-être à repérer ces différents signaux. Donc ça m'a appris beaucoup 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 de choses sur ces relations, comment l'emprise elle s'installe, comment on arrive à prendre le pas sur vos émotions, comment on arrive à vous faire penser des choses, à vous faire même croire des choses que vous avez pu dire alors qu'en fait vous avez absolument pas dites, ou des trucs que vous avez ressenti alors que vous n'avez pas du tout ressenti. Et puis ce côté vraiment insidieux qui s'installe progressivement avec toujours ce fond d'amour, de respect qui vous fait dire qu'il faut rester, qu'il faut continuer, que c'est probablement vous qui vous faites des idées. Cette BD, elle est hyper hyper instructive. Moi je suis admirative que quelqu'un arrive à se livrer à ce point-là, parce que vraiment du coup elle se met à nu dans cet ouvrage. Et à la fin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a une longue partie qui va venir vraiment décortiquer ces comportements qui vont vous aider à les repérer, qui vont vous aider à trouver de l'aide si vous êtes concerné par ce même gros problème. Des numéros d'urgence à appeler. Voilà, je suis navrée, je peux pas vous montrer le livre ici parce que donc ça faisait partie de ces fameux emprunts à la bibliothèque. Mais je vous invite vivement vivement à lire cette bande dessinée. C'est peut-être délicat, mais peut-être à l'offrir à quelqu'un. Alors, je sais pas comment c'est possible, mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation et qui a envie de s'en sortir, ou en tout cas que vous pensez que c'est le bon moment pour lui présenter les choses, je pense que ça peut permettre de mettre des mots sur des émotions, des sensations, et peut-être d'ouvrir les yeux face à une situation qui est vraiment extrêmement, extrêmement toxique. On entend beaucoup le terme de pervers narcissique. Je trouve, à tort et à travers, parfois un peu déformé et pas forcément... de façon tout à fait juste et adaptée à la situation. Bon là clairement on est en plein dedans, mais ça peut voilà, ça peut aider vous ou quelqu'un de votre entourage à s'en sortir. Je ne me souviens plus du prix, voilà, si vous n'êtes pas voilà, abonné à une bibliothèque comme moi, ça coûte 23,95€. Voilà, c'est un petit investissement, mais c'est un très très beau livre que je vous conseille de lire. Le favori suivant, ce sont deux podcasts que je vais essayer de retrouver tout de suite parce qu'en plus ils sont produits par la même équipe mais pas sous le même nom. Alors ce sont deux podcasts produits par Spotify et Europe 1 Studio que vous allez retrouver je crois en exclusivité sur Spotify, en tout cas au moment où moi je filme cette vidéo. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Le Coupable et d'un autre podcast qui s'appelle L'Ombre, mais qui sont vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais qui sont dans le même dossier sur Spotify, parce que donc voilà, ils sont produits par les mêmes équipes. Raconté par deux journalistes différentes. Je vais commencer par... Moi je les ai écoutés dans le désordre, il y en a deux, j'ai pris le plus récent avant, mais les deux histoires ne se suivent pas donc il n'y a pas d'importance, mais du coup je vais commencer dans l'ordre où moi je les ai écoutés. Tout d'abord, Le Coupable, je vais vous lire le résumé. Au moment où l'affaire Maëlys éclate, Maître Jakubowicz, avocat de renom à la tête d'un gros cabinet de droit des affaires à Lyon, reçoit un appel. L'espace d'un instant, il pense que ce sont les parents de la fillette qui demandent de l'aide, et au bout du fil c'est en réalité la famille d'un homme, Dandal Lelandais, le suspect numéro 1. Et donc pourquoi alors Jakubowicz, ténor du barreau, un homme de conviction, a-t-il accepté de défendre Dandal Lelandais? Donc c'est vraiment l'affaire Maëlys, et par extension l'affaire Dandal Lelandais, parce qu'il y a d'autres ramifications, qui est racontée par son avocat. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce podcast, je l'ai trouvé très perturbant, très gênant à pas mal d'égards. Dans le bon sens du terme, dans le sens où ça vient bousculer des, voilà, des choses qu'on a en soi, donc j'ai trouvé ça intéressant.
J'ai pris des notes parce que ça fait un moment. J'ai écrit très gênant, voire déstabilisant, car le podcast n'énonce pas que des faits, mais traduit des sentiments qu'on n'imagine pas être dévoilés. Vous êtes vraiment dans la tête de l'avocat, avec ses pensées. Alors, je voudrais pas vous spoiler ce qui se passe. Bon, l'affaire, vous la connaissez. Mais, pareil, je veux pas faire des généralités sur des avocats, mais c'est clairement, on est face à une personne qui a un gros problème d'ego. Je crois qu'il en parle d'ailleurs assez honnêtement pendant le podcast. C'est très intéressant d'avoir son regard à lui, pourquoi il a accepté de traiter cette affaire, pourquoi il a accepté d'accompagner Norlal Lelandais dans sa défense. Ça revient aussi sur le fait que en France, et c'est tant mieux, chaque personne, y compris les présumés coupables, ont droit à une défense digne de ce nom. Il y a une question qui m'a dérangée, c'est que je crois deux ou trois fois pendant le podcast, la question lui est posée à base de « mais pourquoi vous n'avez pas abandonné le dossier ?» Voilà, face au déroulement de l'affaire, je ne vais pas trop vous donner les détails. C'est une question qui est intéressante, je trouve intéressant de la poser une fois, trois, bon, je trouve que c'est dommage de toujours revenir sans cesse sur cette question. Il est avocat, il a probablement enclenché, lui, un travail de son côté, c'est difficile de baisser les bras, et voilà, maintenant qu'il a commencé à défendre quasiment l'indéfendable, j'ai trouvé la question un peu dommage, mais bon. J'ai marqué « la question est toujours en filigrane, c'est un peu pénible ». Bon bref, c'est un petit détail. Et l'autre podcast dans le podcast donc s'appelle L'Ombre. C'est un podcast qui est en 5 épisodes, c'est un petit peu plus court. Et là on revient sur l'affaire Estelle Mouzin, qui est une affaire qui, je ne sais pas vous, mais moi, m'a complètement marquée. Cette petite fille avait à peu près le même âge que moi, je crois, au moment où elle a disparu. Il y a eu une attention médiatique très 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 importante sur l'affaire, notamment avec ses parents qui étaient extrêmement impliqués et voilà, avec une médiatisation hors norme à l'époque. J'ai des souvenirs, peut-être vous aussi, hein, si vous êtes né dans les années fin des années 80, début des années 90, on voyait la photo de cette petite Estelle dans les salles d'attente, chez les médecins, dans les commerces. Donc, j'ai le souvenir que je faisais de la musique au conservatoire d'Annecy, on avait une petite salle de pause, il y avait sa photo. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression de l'avoir vue partout. C'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, à raison. Avec le courage de ses parents et principalement de son père qui s'est beaucoup beaucoup investi et qu'on voyait beaucoup dans les médias. Et ce podcast, bah, du coup, donne la parole à ce monsieur. Il raconte les recherches, l'attente, l'angoisse, l'inquiétude, les erreurs qu'il y a eu aussi. Lui, le fait qu'il ait dû insister à pas mal de moments pour que l'enquête reprenne de façon plus adaptée. Bon, ces deux podcasts sont assez difficiles à écouter si vous êtes voilà, si vous avez une sensibilité de ce côté-là. Si comme moi c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup et que vous avez une grosse curiosité de ce côté-là, je pense que ça vous plaira. Et j'ai juste écrit en commentaire la sagesse du père. C'est un homme qui a une... Enfin, je trouve c'est complètement admirable le regard qu'il a sur voilà, la disparition de sa fille, puis son décès, même si... Voilà, à nouveau, je vais pas tout vous raconter, tout expliquer dans le podcast, mais... Il a un recul, voilà, une sagesse sur ce qui s'est passé qui force admiration. Donc voilà, je vous invite à découvrir ces deux podcasts que je vous mets en description de cette vidéo. Quatrième favori, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même après l'avoir vu sur le compte de Daphné Moreau, qui tient le blog Mod and the City. Daphné, je la suis depuis des années, elle me ferait acheter absolument n'importe quoi, y compris des trucs qui m'intéressent pas à la base. Elle est vraiment prescriptrice de tendance de mon côté. C'est une bouillotte électrique de la marque Nature et Découverte. Alors ça fait longtemps que je louche sur quelque chose de ce genre-là. Comme tout le monde en hiver, moi j'aime bien avoir chaud. Et puis avec les problèmes climatiques, les restrictions énergétiques qu'on vit, je me suis dit que c'était vraiment l'année pour investir. Alors je pense qu'on peut trouver la même chose pour moins cher. Mais j'avais envie de me tourner vers un magasin auquel j'ai confiance comme Nature et Découverte. Donc je suis pas allée chercher ça sur Amazon ou autre, même si il existe peut-être des choses rigoureusement identiques, mais bref. Alors cette bouillotte, vous avez une petite poche pour glisser vos mains. Vous entendez qu'à l'intérieur il y a un liquide, alors je ne sais pas quel type de liquide c'est. Et à l'arrière vous avez une petite prise, un petit clapet en plastique qui suffit de tourner comme ça, dans lequel vous venez glisser ce chargeur. Alors en fait vous venez pincer, voilà, je vous montre comme ça. Vous venez pincer le chargeur, mettre les trois petits trous ici, vous appuyez bien fort, vous venez ramener ça ici, derrière, à l'arrière de la bouillotte pour que ça soit bien, bien calé, vous branchez ça à une prise, vous laissez chauffer pendant 5 grosses minutes. Il y a quand même une bonne inertie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tout ça pour dire que la chaleur reste pendant quand même quasiment une heure. Vous pouvez vous en servir pour réchauffer votre lit avant d'aller vous coucher, vous pouvez glisser les mains dedans, vous mettez ça sur le ventre.
Si vous avez des douleurs de règles, voilà, je sais pas, si vous avez de l'endométriose, des problèmes de santé, ça peut faire super plaisir. Un petit cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un. Le prix, 40 euros de mémoire. Donc je l'ai acheté à la boutique Nature et Découverte à Annecy. J'en suis hyper contente. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu Victoria du compte Instagram Mango and Salt parler de la même chose, mais version chaise, pour se chauffer une chaise. Ça m'a fait rêver, mais si je commence à mettre le doigt dans l'engrenage, je vais m'acheter ça pour me réchauffer les pieds. Donc il faut vraiment que j'arrête. La petite bouillotte, c'est plutôt pas mal. À la maison, tout le monde s'en sert, à tel point que je me suis dit qu'il allait falloir que j'en rachète une, parce que elle est toujours entre les mains de quelqu'un. Donc voilà, petit achat sympa et durable, hein, maintenant que je l'ai, ça va me durer un paquet d'années. Et le dernier favori, ce sont les compléments alimentaires de la marque Cure. Alors, pour la petite histoire, je vous parle de compléments alimentaires depuis très 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 longtemps. Ça va faire, moi, plus de 8 ans que j'en prends de façon très régulière. Alors au départ, c'était plus voilà, une cure au milieu de l'hiver, une cure en été pour préparer la peau au soleil. Et puis depuis 5-6 ans, c'est quasiment tout au long de l'année. Pour plein de petits tracas différents. Alors, déjà un petit point, les compléments alimentaires portent bien leur nom, ce sont des compléments voilà, alimentaires. Donc si vous mangez mal, que vous avez une hygiène de vie déplorable, que vous avez une santé qui n'est pas du tout prise en charge, c'est pas la peine de prendre ce genre de choses pour espérer voir des miracles. Deuxièmement, tout ce qui est détox, etc., c'est très tendance depuis quelques années maintenant. À l'intérieur de notre organisme, nous avons deux organes qui fonctionnent parfaitement si vous êtes en bonne santé pour favoriser une détoxification, si on peut appeler ça comme ça, à savoir les reins et le foie. Donc tous ces compléments visent à aider, renforcer, soutenir ces organes, mais ne vont jamais remplacer ce que ces organes font à la base. Voilà, premier point. Il ne faut pas prêter aux compléments alimentaires des vertus qu'ils ne pourront jamais avoir, puisqu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes des organes qui normalement font très très bien le travail. Donc je me tourne vers bon, pas mal de marques, mais globalement ces dernières années, Atelier Nubio, M aussi pour tout ce qui est collagène, et puis j'ai eu des petits soucis de santé vraiment minimes, qui m'ont poussé à devoir arrêter les dons du sang, notamment au mois de septembre dernier, je crois. Puis voilà, il y a eu des analyses de fait, etc. J'avais besoin d'être supplémentée en fer et en autres minéraux, donc je me suis d'abord occupée de ça, j'ai arrêté les compléments alimentaires pendant cette période-là. Et je me suis dit, j'aimerais bien reprendre des compléments avec une visée davantage orientée santé, plutôt que peau, digestion, même si la digestion fait partie de la santé, mais cheveux, ongles, etc. Je me suis tournée vers une marque qui m'avait contactée il y a très très longtemps pour tester certains de leurs produits. Il s'agit de la marque Cure. Alors cette vidéo n'est pas en collaboration avec la marque, ils ne savent pas que je la tourne. Je vais avoir un code promo que je vais vous donner un petit peu plus tard dans la vidéo si vous voulez tester Cure. Je suis rémunérée sur ce code promo, c'est un code promo affilié. Voilà, donc si vous l'utilisez, je récupère un petit pourcentage du montant qui est payé. Donc voilà, je préfère être transparente avec vous, mais voilà, je ne suis pas payée pour réaliser cette vidéo. Ça fait quelques semaines maintenant que je teste leurs compléments. Cure, en fait, c'est une entreprise française qui vous permet de recevoir chez vous des compléments alimentaires pour répondre à vos besoins, vos demandes à un moment donné. C'est-à-dire que, je sais pas, janvier, février, vous vous dites, là vraiment le stress, ça pue du tout. Donc vous avez tout un questionnaire à remplir qui est très très long, et c'est plutôt une bonne chose, qui va vous demander votre mode de vie, votre poids, votre taille, votre âge. Est-ce que vous avez une contraception ou non? Est-ce que vous êtes en train d'allaiter ou non? Est-ce que vous êtes enceinte ou vous avez projet de tomber enceinte? Est-ce que vous avez un bon rythme de sommeil? Est-ce que vous faites du sport? Que vous vous alimentez bien? Enfin, le questionnaire est très très long, mais c'est une bonne chose. Et à la fin, on va vous conseiller des pistes voilà, de résolution de certains petits tracas. À vous de sélectionner ou non si vous êtes d'accord avec ce qu'on vous suggère, et ça vous permet d'avoir un programme vraiment sur mesure. Et pourquoi pas de dire au mois de mars, avril, ben voilà, le stress maintenant c'est réglé, j'aimerais bien passer sur autre chose. Je trouve le concept vraiment très très bien. Vous recevez vos compléments dans une petite boîte avec un sachet par jour. Alors c'est 100% carton, papier, il n'y a pas du tout de plastique. C'est du papier très très fin, hein, donc pratique si vous voyagez beaucoup par exemple, vous avez juste à glisser le nombre de sachets dans votre valise. Ça, j'avoue que c'est un point qui est assez positif, vous voyez, c'est complètement personnalisé, vous avez votre prénom. Et vous recevez, je ne l'ai pas amené ici parce que je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais vous recevez un papier qui vous explique précisément le contenu de chaque gélule. Je trouve que c'est hyper rassurant. Moi j'ai une gélule qui contient notamment du fer et de la spiruline, donc je sais exactement combien il y a à l'intérieur. Ça m'a permis de comparer avec la cure, qui était une cure orientée par un médecin que j'avais pu faire juste avant. Vous connaissez voilà, le dosage, les contre-indications, vous savez à quel moment il faut le prendre, à jeun, pas à jeun, il vous explique tout. Donc
vous recevez pas juste la boîte en me disant allez, allez-y, prenez ça, vous savez vraiment ce qu'il y a dans les gélules. Je le précise parce que pour certaines marques, je trouve qu'il y a une certaine opacité de ce côté-là et moi je trouve ça agréable et rassurant de tout simplement de savoir ce qu'on ingère. Donc je peux pas encore me prononcer sur l'efficacité des compléments parce que voilà, ça fait quelques semaines clairement, ça c'est pas au bout de 30 jours qu'on voit les résultats. C'est des choses qu'il faut continuer pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais je trouve le principe génial, moi je tolère très très bien tout ce que j'ai. Ainsi, il y a un effet que je peux, que je peux partager, c'est que donc moi j'ai une gélule pour l'apport en fer, j'ai une gélule avec un extrait de plante qui s'appelle, je vais jamais réussir à m'en souvenir, qui vient réguler le stress, la nervosité pour avoir voilà, un système nerveux central plutôt équilibré, et j'ai un complexe drainant avec de la mamélise, du thé vert et de l'extrait de marondine, je crois, et qui me fait faire pipi, mais alors c'est pas croyable. La dernière fois je me suis rendue chez quelqu'un, j'avais fait pipi juste avant de partir, donc j'avais vraiment genre 30 minutes de route, je suis arrivée, j'ai dit je suis désolée, il faut absolument que j'aille aux toilettes, je n'en peux plus, ma vessie va exploser. Donc voilà, je peux vous garantir que le complexe drainant fonctionne très très bien. Bon, moi j'ai une petite tendance à la rétention d'eau, donc ça me fait pas de mal. Tout ça pour vous dire que je suis contente de découvrir une marque comme ça, c'est transparent, c'est sérieux, c'est livré chez vous, c'est pratique. Voilà, si vous avez envie du petit plus pour prendre en main votre santé, je vous le redis, ça ne va pas du tout remplacer la vie d'un médecin ni des traitements adaptés si vous avez vraiment des problèmes de fond qui sont à traiter. Mais voilà, si ça peut vous permettre de découvrir ça comme moi, je suis ravie. Et donc le code promo si vous avez envie de tester, vous avez moins 30% sur votre première commande avec le code Marielle5315 que je vous note sur l'écran, que je vous mets également sous la vidéo. Voilà, si vous avez envie de tester, je sais que certaines ont passé commande quand j'en ai parlé la dernière fois sur Instagram et j'espère qu'elles en sont ravies. Si vous connaissez déjà la marque et que vous avez des retours à me faire, ça serait avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que ça fait 5? Oui, c'est tout bon. Ça fait bien 5 favoris. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.